J'ai ressenti, surtout qu'on a fait 40 minutes avec beaucoup de maîtrise dans le jeu. On a passé 5 minutes où on aurait pu relancer l'équipe d'Ajaccio et malheureusement, c'est un peu ce que je leur ai dit à la mi-temps, c'est qu'il faut savoir éliminer un petit peu ces phases, notamment en fin de première période, qui sont un peu compliquées. Mais après, à la mi-temps, je leur avais donné un objectif de continuer à mettre en place tout ce qu'on avait fait travailler la semaine. Et ça a été très bien fait et on a su malgré tout marquer plus de buts pour être plus tranquille sur la fin du match. Je retiens qu'ils adhèrent au projet, qu'ils adhèrent à ce qu'on est en train de mettre en place, qu'on avance tranquillement avec de l'humilité. Je vois des joueurs concernés. Donc je retiens surtout qu'aujourd'hui, on n'est qu'au 9e match et qu'on avance tranquillement et que les joueurs ont envie d'atteindre certains objectifs. Moi aussi, je pense que le club aussi. Mais on sait que ça va être très long et en venant faire des matchs références comme ça à l'extérieur, ça nous permet aussi de pouvoir bien travailler à la fois la semaine, mais pas aussi baisser de niveau quand on sera contre d'autres équipes. Je m'attendais à un match compliqué, comme c'est toujours compliqué de venir gagner ici. J'ai eu la chance de jouer en Corse pendant un an. Je sais très bien ce que ça représente le football corse et c'est toujours difficile de venir gagner à Ajaccio. Après, il y a des faits de jeu, on a su maîtriser notre match, et ils n'ont pas marqué aussi les occasions qu'ils auraient pu marquer, et pour revenir peut-être eux dans la partie. Donc tant mieux pour nous, et puis après, je me concentre plus sur mon équipe que sur l'équipe adverse.